connais l'avenue C'est quelle avenue ça? Je sais pas, je sais que là c'est on est au Storm. Hein? Ouais, c'est l'avenue qui. Bon, le trou là est profond, je sais pas par où le prendre. Je pense que c'est venu du mauvais côté. Non, je sais. C'est un 4x4 quoi. Tu vas t'aller, regarde, tu doubles par la droite quoi. Ouais, mais y a pas de souci, ils peuvent toujours y aller. T'as pas besoin hein, de tout ça. Hein. Non, parce que le trou, je l'avais pas tu vu. Tu fais quoi là? Ton bras là, t'as fait quoi? Bah, j'ai dit merci. Ah, d'accord. Merci, merci, passé. Oh là, il double par la droite là. Mais il peut toujours doubler, hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Il est. Mesdames, messieurs. On double jamais par la droite. Hein. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Hein. Il dit fais monter sa moto. En fait ils ont fait pareil hein. Il faut monter les amortisseurs quoi. Mmh. En fait c'est les conducteurs qui s'adaptent à l'état de la route quoi. Ouais. Comme c'est rempli de trous en fait les mécaniciens augmentent maintenant les amortisseurs. Mais ici ils ont changé le truc normalement. Comment? Ici ils l'ont fait mais après c'est pas trop haut parce que plus, quand c'est trop haut ça bouge par l'arrière. Mmh. C'est normal parce que ça n'a pas été conçu pour. Ça c'est pas bon. Quand même un 4x4 quoi. Donc là on disait que c'était l'avenue. Donc si on quitte vers l'Eurostorm. Avant on appelait ça ex-voie. Ah bon? Donc, mais oui, ex-voie c'est ça qui nous conduit vers la télé là. Voilà, vers la télé, enfin ex-télé quoi. Ex-télé, on appelait ça ex-voie. Ah d'accord. Après je sais pas comment s'appelle l'avenue exactement mais c'est quand on parlait d'ex-voie, c'était cette avenue là. D'accord. Ex-voie parce que l'ancienne voie de la Révolution. C'est ça, la voie de la Révolution Rwandaise. Hein? Ouais. C'était par ici. La télé quoi? Non, 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 la voie de la Révolution congolaise. C'est ce qu'ils appellent la télé? Non, c'est deux choses différentes. Ah bon? Il y avait la télé, parce que quand la télé était là, on l'a toujours appelée ex-voie, parce que la radio était par ici avant. Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça ex-voie. Maintenant, c'est ex-voie, ex-télé quoi. Parce que la télé n'est plus ici. D'accord. Ex-voix parce que la radio était ici. Là où bossait les Ebouromokwe. Tu te rappelles de lui? Ebende Kilo. Ebouromokwe. Donc la télé avant c'était ici. Voilà, maintenant c'est ex-télé. Ex-voix c'était par ici hein, je pense. Mais c'est une histoire ancienne hein. D'accord. Donc là il n'y a plus rien par ici. Plus de radio, plus de télé. D'accord. Okay. Bon là, je pense que... À droite, on continue tout le droit. Regarde ce qu'il veut faire lui là. Non mais non, ce qu'il a fait non, c'est digne d'un. Non mais lui c'est non, c'est le champion. J'ai c'est jamais un vu crime. Ça. Il a fait ça, il a continué, il a fait demi-tour. Donc nous, on va essayer de. On fait encore l'aventure dans la nuit quoi, comme on dit. Beaucoup d'abonnés me demandent de faire des vidéos de nuit. Donc on va essayer de faire la nuit pour voir, pour faire vivre les quartiers dans la nuit. Parce que je pense que... Faire vivre les quartiers? Ouais, mais c'est-à-dire qu'ils voient l'ambiance. D'accord. Si j'ai des gens qui me disent quand... des abonnés, je veux des dire. Abonnés, des amis ou des abonnés qui me disent « Ah, tu sais quand on tourne les vidéos là ?» Dans la nuit? Non, quand on fait les vidéos. Mm-hmm.
C'est comme si eux, ils étaient dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, je vois ce que tu veux, on voit Brazzaville de la même façon que... Oui. En fait, c'est comme s'ils étaient sur place, quoi. Voilà, c'est comme ça. On leur fait vivre, en fait. Voilà, c'est ça. Les moments présents, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, la nuit, c'est pareil. Ici, nous sommes exactement. Bah, ici, on est... moi, je vais essayer de passer par là. Attention. Oh, mais je vois, toi aussi. Je ne veux pas rentrer sur la voie comme ça. Il y a un stop. Là, c'est là où il y avait IAPT. Hein. Ouais, IAPT, ouais. IAPT, nous, on va voir un stop là. J'aimais bien par ici hein, à l'époque. Hein. Ouais, mais ça, ça change. C'est cassé. Parfait. Donc là, c'est toi, cassé. Tu as connu là où elle habitait parfaite. Hein. Ouais, c'est pas vrai. C'est dans la rue La Motte. Tu vois, tu continues là, tu passes devant l'UAPT, tu vas jusqu'au fond. Oh pardon, excuse-moi, je pense que c'est le vent de traverse. Lui, ce qu'il a fait là, ça se fait pas. Normalement, on fait le contour comme la ça. La rue La Motte, c'est là, tu oui, continues tout droit. Mais sauf que tu vois, lui, ce qu'il a fait là, le bus là, ça se fait pas. Conduite ici, c'est... Je dis que c'est pas éclairé, c'est... Après, même il y a une moto qui vient sans lumière. Donc... Le gars, il n'a pas la lumière et il roule. Sur... On sort ici. Non, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Hein. Même si tu clignotes, par exemple, tu clignotes. Mais les gens font pas attention. Mais la personne ne te calcule pas. Elle va continuer à foncer sur toi. Il fait sa vie. Hein. En général, quand on clignote, la personne qui est derrière ne doit pas continuer à foncer. Mais c'est un moyen de communication. Eux, quand tu clignotes, lui derrière, il comprend ce que tu veux faire. Mais eux, ici, ici, en fait, le dialogue est rompu entre conducteurs. Hein. T'as beau clignoter, t'as beau faire moi, ce que tu veux. Moi, je veux qu'on passe par le plateau, parce que ça l'a déjà fait la nuit. On passe par ici pour le plateau. Là. Donc ici, là, c'est l'assemblée. L'assemblée la nouvelle. La nouvelle. C'est pas encore ouvert, je crois. Là, on passe par... ça, c'est là où il y avait Arthur. Ouais. Là où ils ont cassé. Ouais, c'était pour mettre l'assemblée. Hein. Le Sénat, je crois, ils ont mis le bouton. Ouais, je crois les deux chambres hein, seront là. L'assemblée et le Sénat, je pense. Est-ce que j'ai cru comprendre. Les deux chambres seront là. Les chambres de Paris. Ça c'est la queue pour l'essence. Ouais. Avant je ne comprenais pas pourquoi cette queue. Donc il n'y a pas d'essence. Et là on va livrer. En fait, il y a pénurie de carburant dans le pays depuis avant-hier. Hier. Il n'y a pas de carburant en fait. Donc là c'est la queue. En ce moment pour avoir un taxi c'est très très difficile. Voilà. Toutes ces voitures que vous voyez là font la queue pour l'essence. C'est bizarre, quoi, nous, on n'avait pas ce problème-là. Hein. Ah, peut-être qu'il y en a maintenant. C'est ça aussi des contrôles. Comment ? Parce que pas dans le pétrole à côté. Mais ça veut rien dire. Et même à Boisard. C'est le même pays, hein, de toute façon. Ça veut tout dire, et d'autres pays bien mieux développés, ça veut tout dire ça. Je sais pas, en Afrique. En tout cas, il n'y a pas de carburant dans le pays. Heureusement encore ici, voilà, le couvre-feu c'est à partir de 23h aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est 23h. Ici c'est là où il y avait le nénuphar, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Le nénuphar c'était par ici. Ah, c'est le marché de plateau. Hein. Ouais. La plaine ou avant? La plaine, ouais. Le quartier de la présidence, quoi. Ouais. C'est la présidence. Il y avait un restaurant par ici, je ne sais pas si ça te dit. Drugstore, je ne sais plus comment l'appeler. Mais... Impossible. Pas quel shop ferme à quelle heure?
Ah, ça, je peux pas te dire. Et là, on va au casino. On va chez casino. On passe sur les deux. Hein? Bien sûr, avec le peu d'essence qui nous reste, ça peut le faire. Oui. Ça y est. Là, c'est bon. Donc là, c'est l'avenue. Comment ça s'appelle cette avenue? L'avenue de Denis Sassoungues. Ben oui. Avenue de Denis Sassoungues, je ne sais pas, l'avenue de Deuil. Hein? Non, l'avenue de Denis Sassoungues, c'est celle-là. Ah bon? Hein? Qui va jusqu'à l'aéroport. D'accord. Tu vois là ça. Tu vois, regarde bien comment ça éclaire, ça capte. J'aime pas rester ce côté-là parce que la lumière là est trop. Ça y est plus. Voilà. Oh ici normalement c'est bien. Mais le problème c'est que si tu roules ici, les autres ils te font la misère. C'est mieux ici, comme ça, ce qu'on te double ou pas par la droite. Qu'est-ce que tu m'appelles ? Qui c'est qui t'appelle ? Je sais pas. Je vais continuer parce que là on a trop l'habitude de prendre par là. D'accord. Attention. Tu vois. Je vais continuer. On a trop l'habitude de passer par là. Pour prendre un peu par ici. Tu vois, non? Pour passer vers. Voilà, pour changer un peu. Si là-bas on a déjà la nuit. Général, tu descendais à l'hôpital ou à Bayardel, enfin l'arrêt, la mort ou quoi, c'est à chute avec ces deux possibilités là, mais c'était plus long par ici. Mais après, ça dépend de la possibilité que se présentait à toi, quoi. Et donc, tu penses qu'eux sont encore ouverts? Je sais pas, mais je pense que c'est casino ferme à 20h, je crois. Là, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Et à droite, à l'ambassade de France. Le problème,
cette voiture-là, il faut qu'on la remonte. Hein, oh, parce ouais. que on l'avait temps, déjà remontée, non ouais, ça n'a pas réussi. Hein. Elle est basse. Parce qu'avec des clients, les gens, ça ne marchait pas. Parce qu'avec du poids, ça va encore. Je veux d'avoir les prix. Et les prix de belles produits. Je veux juste savoir les prix. Ça dit si tu te pointes quelque part. Tu, mets les, tu regardes les prix pour... Non, pas tous les prix, mais par exemple, si tu prends un exemple. La machine Spirito, tu as 119 000 par exemple. Ouais. Ça va, non? Bon, je ne vais pas tout prendre comme ça, je passe et puis. Par exemple, là, tu as le produit Garnier là. Ok. Là. En promo, ce sont des shampoings, ils font ça 30 minutes. Mmh. Ah, on me demande des choses, on me demande des choses impossibles à faire quoi. Les sels, bien. C'est pas cher, hein. Ah. 2,90 1 euro, ça fait 2 euros. Ouais. Mais surtout, moi, je veux voir sur les. Sur tout ce qui est, tu vois. Ces choses-là sont chères. Ah. Le siphonnage pour les serviettes, ah. là. 24 900. Mm-hmm. Ah, au fait, le papier, un jour, on en aura besoin. Ah. Mais nous, on va acheter, j'en avais vu un. Mm. C'est pas qu'une shop. Mm. Tu vois, le gros, là. À 10 000. Mmh. D'accord. Je vais chercher le pain. Tu sais que dans ton couloir il n'y a personne, hein? Tu peux retirer ton masque. Hein? Tu es seul dans ton couloir. Tu préfères le garder. Tu prends pas de. T'as fini là? Ok. Je prends juste les œufs frais. On m'a dit que c'est frais par ici. Ok. Ça. Ah d'accord, ah mais c'est bien ça. En plus c'est bien fourni, hein. C'est bien fourni. Après il y a voilà. Les tuyaux verts là, qui c'est qui les achète? Je sais pas. Après c'est les prix. Léon, là, on va continuer. On va faire un tour dans un supermarché, un autre, pour aller voir ce qu'on n'a pas pu trouver là. Ouais. Essayer d'aller regarder là-bas. C'est mieux de passer là, c'est une obligation. Ouais. Allez, on continue.
là, on continue notre chemin. On va faire un tour. On est parti là. Hop. Voilà. Passer un peu par là parce qu'on a toujours l'habitude d'aller de l'autre côté. On va essayer de passer par ici. On sort ici même quand on clignote, ils s'en foutent quoi. Je dis que le dialogue est rompu depuis hein, entre ouais. conducteurs. Hein. Il n'y a pas de communication quoi. T'as beau clignoter, t'as beau faire quoi que tu veux, mais après. Ça passe pas quoi, personne ne prend ce que tu veux quoi. C'est chaud, hein? C'est chaud. Donc on va passer, on va passer par là et on va contourner par là-bas parce que comme là il y a un sens interdit. Tu peux refaire le rond-point? Non, je fais pas le rond-point. On continue comme ça, on va contourner. Pour rentrer à. Parce que la zone de ça ici, j'ai jamais pris la nuit. Ça l'âme, c'est quoi? Ça permettra même de regarder le bâtiment là, comment il est jeûné la nuit là. Ça permettra aussi de. La coupole, c'était par où? La coupole. La coupole, c'est pas par ici. Hein. La coupole, c'est devant là-bas. Et ça, ce bâtiment est neuf, hein? Enfin, nouveau quoi. J'ai jamais vu ça ici. Ce bâtiment, là, j'ai déjà pris par l'avant. Toi, tu vois là, on était allé pour l'histoire de. C'est Michael, non, pas Michael. Ici. Mais ça, c'est un vieux bâtiment. Hein. Ils ont juste. C'est parce que nous, on n'a plus par le délai, mais sinon, ça a toujours existé. Ah, mais l'histoire des sens là a diminué la circulation. Hein. Regarde même les voitures. Regarde les voitures qui attendent. Ah, comme ça là. Oh, nous, on devait passer par ici. C'est parce qu'il y a un passage. Hein. Ça, les gens ouais. attendent l'essence. Ils attendent la livraison ou quoi? Tu penses qu'il y a un... Mais pourquoi il met les phares lui hein? Il peut enlever ses phares, c'est quoi ce comportement? Ça dit qu'ici tout le monde, c'est l'autorité suprême quoi. Vous roulez avec les phares. N'importe quoi quoi. Et lui aussi il va commencer à mettre les phares. Alors qu'il n'en avait pas. Il est en train de suer ses chaussures. On ne veut pas passer. Non mais ici les gens ils sont graves hein. Ben, il faut serrer l'autre côté parce que vous avez voulu passer. Mais parce que l'obstacle était de son côté, c'était à lui d'attendre. Incroyable quoi. C'est comme ça que ça marche ici. Ne vous inquiétez pas, on va pas se faire du tout. Ah d'accord, c'est bien. Merci beaucoup. On va pas se faire bisous. mais c'est tout et n'importe quoi quoi. Ah la vache. Ça c'est l'Afrique. Il y a un côté qui fait rire et un côté qui énerve quoi, les deux quoi. On ne vous inquiétez pas, on va pas se faire bisous. Donc on va pas se cogner là, les voitures vont pas se cogner. Et du coup, et tu vois même moi je devais être énervé, je vais m'énerver, mais n'empêche que quand il me parle comme ça, bon, après ça. Moi, ça détend l'atmosphère, n'empêche. Ah, oh, l'Afrique, mais c'est spécial. Ouais. Hein. Non, mais c'est, ouais, c'est bien. Comment c'est. Ah, la place, ça te dit. Hein? Ça te dit pas. Hein? Ici, c'est là, avec Sport Afrique. Sport Afrique, non? Ah bon? Des domaines. Non, mais là, c'est. Il vérifie la température. Ah, sur le Covid. Ah, d'accord. Donc, tu vois, j'ai 10 000 parce que moi je savais qu'à Paganca vous avez vu ça. 3, 7 000. Tu vois. D'accord. Ouais, non, très bien. Voilà la différence entre là-bas où c'était 5 000 et 15.
microphone, hein. C'est cela la taille. C'est dans quel magasin? Patent Shop. Patent Shop. D'accord. Voilà, là, pour combien de temps? Ouais. On va prendre un peu plus. Non, mais ça va, il y a tout, hein. C'est juste le prix, hein. Comment? Non, pas encore. Mais ça c'est intéressant. Hein. Voilà. Mmh.